Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce jeu de cerceau sur le thème du petit renard. Ce jeu des cerceaux est l'un des jeux bébés le plus connu, je pense. Donc on a tous eu un jeu où il fallait empiler les cerceaux du plus grand au plus petit. Et donc ici, j'ai réalisé un coton parce que du coup le plastique y en a marre et je trouvais ça super original de le faire avec du coton. Et surtout, comme j'ai moi-même un petit garçon de 2 ans et qu'il adore faire ce genre de choses, ce genre de jeu, je souhaitais lui en faire un sur le thème de Chacha, moi, qui est le petit renard et principalement aussi les animaux de la forêt. Donc voilà, c'est un jeu où vous avez une dizaine de cerceaux, donc notamment 9 cerceaux et ensuite la petite tête de renard qui vient de terminer. Et il suffit d'empiler comme ceci les cerceaux à l'intérieur. Il y a un passage au niveau de la queue pour laisser passer le petit cerceau. Et le bébé ou le petit garçon ou la petite fille peut empiler les cerceaux dans l'ordre, dans le bon ordre, jusqu'à arriver à la tête. Ici, je les ai laissés neutres, juste de la couleur. Mais on peut également y mettre des petits numéros pour aider l'enfant à repérer le plus grand au plus petit. Je le rajouterai par la suite si je vois que mon petit a du mal à différencier la taille des cerceaux, surtout à la fin, on ne voit pas beaucoup de différence entre le premier et le deuxième. Dans cette vidéo, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord, du coton de votre choix. Ici, je vais utiliser des nouvelles petites pelotes. Ce sont des mini pelotes, donc de la marque Rico. Et ça s'appelle Rico Rumi. Donc c'est des toutes petites pelotes de 25 grammes et qui se crochettent avec un crochet numéro 3 et 4. D'ailleurs, ici, je vais utiliser mon crochet numéro 3. Et ensuite, donc du coup, je vais utiliser 3 couleurs de cette marque ici. Donc les quantités vont apparaître de suite parce que je ne sais pas au moment du tournage à vidéo combien je vais utiliser de petites pelotes. Donc pour la marron, voici le nombre que j'ai utilisé. Pour la beige, voici le nombre que j'ai utilisé. Et pour la couleur orange, marron, marron renard, la voici. Ensuite, vous aurez également besoin d'un cône. Donc le cône, il passe pas tout à fait à la caméra. Voilà, mais c'est un cône comme ceci. Voici la référence. Donc c'est un cône, il fait 20 cm de diamètre. Il est, voilà. Et je l'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle La Secam. Donc après, c'est un magasin de décoration, un magasin d'outils de création, donc je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Après, on n'est pas obligé qu'il soit comme ceci, j'ai plus le nom en tête, bon, en plastique, je sais qu'il en existe en mousse assez dure et à mémoire de forme, alors pour ce jouet, ça sera peut-être plus facile, mais moi dans les magasins, j'ai rien trouvé d'autre, il fallait que je le commande et j'avais pas envie de passer commande sur internet, rien que pour ça, donc du coup, j'ai trouvé ceci qui va faire très bien l'affaire. Donc du coup, il fait bien 20 cm. De diamètre et après c'est un cône. Voilà, vous aurez également besoin du coup de votre crochet, d'une aiguille à laine, d'un nanomarqueur, d'un compte rang pour vous aider à vous repérer dans votre travail, d'un ciseau, de la ouate de remplissage et des yeux sécurité bébé. Dans cette vidéo, je vais également utiliser une autre marque, donc la marque Penguin, tout pareil, donc c'est du coton du coup parce que je vais faire le cône avec mon coton voilà, bleu. Donc maintenant, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Nous allons commencer par crocheter le cône. Donc ici, avec mon coton bleu. On commence par faire un cercle magique, comme ceci. Une maille en l'air. Et à l'intérieur, on vient faire 6 mailles serrées. Comme ceci. Donc ici, on vient de faire
le premier tour. Pour le deuxième tour, on vient tirer sur ce petit fil pour pouvoir fermer notre cercle magique, comme ceci. Et maintenant, nous allons venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je viens faire une première maille serrée. Je place mon anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Et dans la même maille, je viens faire une deuxième maille serrée, comme ceci. Et je répète l'opération dans chacune des mailles qui restent. On vient d'obtenir 12 mailles. Pour le troisième tour, on va venir faire une maille serrée simple. On déplace notre anneau marqueur. Et après, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation, jusqu'à arriver à notre anneau marqueur. On vient d'obtenir 18 mailles. Maintenant, le quatrième tour, on va venir crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc, on n'oublie pas de déplacer notre anneau marqueur à chaque fois. Et on crochète comme ceci, en mailles serrées, toutes les mailles, les unes après les autres. Ici, du coup, nous avons toujours le même nombre de mailles, soit 18 mailles. Ensuite, on vient faire 2 tours supplémentaires, comme ceci, en mailles serrées. Donc, en tout, on aura fait 3 tours de mailles serrées. On est arrivé au 6e tour inclus. Maintenant, on passe au 7e tour. Le 7e tour, on vient faire 2 mailles serrées simples. Une, deux, et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Deux mailles serrées simples, une augmentation. On termine toujours par une augmentation avant d'arriver à notre anneau marqueur et on vient d'obtenir 24 mailles. Maintenant, nous allons continuer à faire 4 tours en faisant que des mailles serrées. On n'oublie pas à chaque tour de déplacer notre anneau marqueur dans la première maille serrée crochetée. Et ensuite, on crochète toutes les autres mailles qui suivent en maille serrée. Et du coup, on vient faire 4 tours. Nous sommes arrivés au 11e tour inclus. Maintenant, nous allons faire le 12e tour. Donc pour ça, toujours pareil, on continue avec 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Ici, on vient d'obtenir 30 mailles. Maintenant, on vient faire 4 tours supplémentaires que de mailles serrées. Une fois avoir réalisé les 4 tours de mailles serrées, nous sommes arrivés au 16e tour inclus. Maintenant, on passe au 17e tour. Donc pour le 17e tour, comme on s'était arrêté à 3 mailles serrées, une augmentation, on vient faire 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ceci tout le tour. On vient d'obtenir 36 mailles. Maintenant, comme pour les autres, on continue, on vient faire 4 tours supplémentaires en faisant que des mailles serrées. Donc,
On continue. Nous sommes arrivés au 22e tour. Pour le 23e, on continue les augmentations. On vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. On vient d'obtenir 42 mailles. Maintenant, on vient crocheter 4 tours que de mailles serrées, donc jusqu'à arriver aux 27 tours inclus. Voilà, comme ceci. On continue, on passe au 28e tour. Et pour ça, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Donc ici, j'arrive à la moitié de mon cône et je pense que vous avez compris le principe. À chaque fois, on fait un rang où on fait les augmentations et 4 tours sans faire d'augmentation. Et à chaque fois qu'on augmente, on décale l'augmentation d'une maille. On a commencé une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Et là, on vient de faire 6 mailles serrées, une augmentation. On enchaîne 4 tours de mailles serrées toutes simples. Et la fois d'après, je viens faire 4 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je fais 4 tours de mailles serrées. Et je continue avec 8 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à arriver de l'autre côté, au bout de votre cône. Au moins comme ça, si vous avez un cône plus petit, vous ferez moins de tours. Si vous avez un cône encore plus grand que le mien, il faudra aller encore plus grand. Donc, je continue à faire ça. Je vous reprends juste après et je vous dis au nombre de mailles serrées que je me suis arrêtée. Donc ici, avec le tour de 6 mailles serrées, une augmentation, on vient d'obtenir 48 mailles au total. Et là, j'enchaîne mes 4 tours de mailles serrées. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai terminé de crocheter mon cône. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai dû faire un changement de couleur. Du bleu, je suis passée au noir parce que j'ai sous-estimé la quantité de coton. Car comme je tourne cette vidéo en même temps que je vous crée le tuto, je ne savais pas du tout dans la quantité de coton à utiliser. Et j'ai pas eu assez de coton bleu. Comme j'ai quelques petites réserves, au lieu d'aller acheter d'autres cotons, ici, et bien du coup, je me suis servi du coton noir. Donc, j'ai presque utilisé une pelote entière de 500 g de coton. Donc ici, donc c'est du noir de cette marque. Donc cette marque, je l'ai trouvée à la Fafouille et c'est un coton que j'avais acheté lors de l'année dernière pour mes vidéos de boules de Noël au crochet. Donc voici, et ces pelotes-là coûtent moins de 2 euros. Voilà, donc ici j'ai fait toute la longueur de mon cône, donc ça c'est un petit peu étendu, mais j'arrive jusqu'en bas. Et donc du coup, je suis arrivée où j'ai fait 11 mailles serrées, une augmentation en fait. Je suis arrivée à ce niveau-là, et après j'ai crocheté les 4 derniers rangs, tout simplement, comme on a fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc voici pour le cône. Maintenant, à partir de là, donc je peux enlever mon cône comme ceci, en polystyrène, et là on va venir arrêter le travail. Donc si vous me suivez, vous verrez que j'arrête toujours le travail de la même façon. J'enlève mon anneau marqueur, je viens dans la maille après, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tire un petit peu, juste assez pour pouvoir rentrer mon fil avec une aiguille à laine. Donc là, je suis désolée pour la qualité, la vidéo, du noir sur du noir, on ne voit pas beaucoup. Donc pour la partie cône, c'est terminé. Maintenant, nous allons venir faire le fond.
Pour le fond, je vais aller beaucoup plus vite car c'est sur le même principe que pour le cône, sauf qu'on ne fera pas de rang de mailles serrées entre chaque augmentation. Donc du coup, je vous montre pas, je vous explique juste, donc ça va aller super vite. Donc on commence par réaliser un cercle magique et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on enchaîne, on vient faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. On continue, on vient faire une maille serrée, une augmentation que l'on répète tout le tour. Ensuite, on continue, donc au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation et ça tout le tour, on va faire juste un petit décalage. Donc, on commence à faire une maille serrée, une augmentation pour décaler les endroits où les augmentations sont pour éviter d'avoir un hexagone. Donc c'est une maille serrée, une augmentation au début, et ensuite on fait deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, et jusqu'à arriver à notre anneau marqueur. Donc à la fin, vous devez terminer en faisant une maille serrée simple pour compléter celle qu'on n'a pas fait au début. Pour le tour d'après, on vient faire trois mailles serrées simples, une augmentation, et l'on répète ça tout le tour. Pour le tour d'après, nous allons décaler l'augmentation. Donc, vous commencez par faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, vous enchaînez 4 mailles serrées, une augmentation, et ça, tout le tour. Et à la fin, du coup, vous terminez par 2 mailles serrées simples pour avoir au total les 4 mailles serrées entre chaque augmentation. Pour ce tour, on vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation, et on répète ça tout le tour. Pour ce tour, on commence avec 3 mailles serrées simples, une augmentation, et ensuite on enchaîne 6 mailles serrées simples, une augmentation, et on répète les 6 mailles serrées simples, une augmentation, tout le tour, et on termine par 3 mailles serrées simples. Pour le tour d'après, on fait 7 mailles serrées, une augmentation, et on répète ça tout le tour. Ensuite, on continue, on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation que l'on répète tout le tour jusqu'à arriver à la fin où on termine par 4 mailles serrées. On continue avec 9 mailles serrées et une augmentation que l'on répète tout le tour. L'avant-dernier tour, ici, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on enchaîne 10 mailles serrées, une augmentation que l'on répète tout le tour et on termine par 5 mailles serrées. Et on termine les augmentations par faire 11 mailles serrées, une augmentation et on répète ça tout le tour. Et voici, comme ceci. Donc ici, nous avons terminé notre rond. Maintenant, il ne restera plus qu'à venir enlever cet anneau marqueur. Et venir faire avec le fil restant une couture. Alors comme nous avons exactement le même nombre de mailles sur le cône que sur le cercle, il suffit de venir coudre maille par maille tout le tour. Comme ceci. Voilà. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc ici, j'ai terminé la couture comme ceci, où je suis venue avec mon aiguille à laine et j'ai passé maille par maille pour venir coudre notre cône. Voilà. Maintenant, on va venir faire ceci, les petits cerceaux pour pouvoir venir ici les empiler dans le bon ordre, comme ceci. Donc, j'en ai déjà réalisé un au début pour voir ce que ça donne. Donc, voici. Donc, je l'ai réalisé avec une pelote comme ceci. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour le matériel, donc c'est des pelotes qui font tac, 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 25 grammes. Et donc, du coup, pour faire le premier, il m'a presque fallu une pelote entière. Il doit me rester à tout casser une dizaine de grammes, je ne sais pas exactement. Donc, voici la quantité qui me reste. Donc là, par la suite, je vais vous expliquer de base comment on fait un anneau. Vous allez voir, c'est très simple pour après adapter la taille de vos anneaux en fonction de votre cône.
Je vais vous dire bien sûr moi les nombres de mailles que j'ai effectuées à chaque fois, mais le principe au niveau de la taille, ça restera le même, c'est juste le début, le nombre de mailles qui va changer. Donc là, on passe tout de suite au tutoriel pour faire l'anneau. Donc ici, je vais venir faire le deuxième et une fois que j'aurai fait tous les anneaux, je vous dirai le nombre de mailles total. Alors ici, pour la taille de nos cerceaux, nous allons venir monter une chaînette de mailles en l'air. Donc pour ça, je viens faire un nœud coulant comme ceci. Et on va monter une chaînette de mailles en l'air de tout autour. Il faut qu'on puisse pouvoir faire le tour entier de notre cône en fonction de là où on aimerait qu'il tombe. Donc on fait la chaînette. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ici j'ai monté une chaînette de mailles en l'air et il faut pouvoir venir. Donc ma chaînette, elle est là, pardon, c'est un peu flou. Il faut pouvoir venir la placer comme ceci, tout le tour, et voir où c'est qu'elle tombe en fonction de l'emplacement où on la souhaite. Donc moi ici, je la veux par là. Donc je vais pas venir que les deux bouts se touchent parce que comme on va crocheter, ça va s'agrandir un petit peu. Donc j'enlève à chaque fois 2-3 centimètres. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai fait une chaînette de 42 mailles en l'air. Vous inquiétez pas, à la fin d'ici de ce tutoriel pour le cercle, je vous dirai exactement le nombre de mailles que j'ai monté pour chaque anneau. Donc une fois qu'on a le nombre de mailles nécessaire, donc ici 42, tout simplement, on va venir rattraper la première maille de l'autre côté, ici, pour fermer un anneau. Et on va venir y crocheter à l'intérieur notre première maille serrée. Donc là, elle était un peu. Et je viens faire une maille serrée. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez venir placer au cas où, si vous le souhaitez, votre anneau marqueur, comme ceci. Et maintenant, dans chacune de ces mailles, pardon, pas 6, dans chacune de toutes ces mailles, on va venir faire une augmentation dans toutes les mailles. Donc là, il y a une première maille et au même endroit, alors je vais en profiter pour cacher ce fil. Donc au même endroit que j'ai piqué, je viens faire une autre maille pour faire une augmentation. Je viens dans la maille d'après et je fais de nouveau une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Et je fais ça tout le tour. Ici, j'ai une maille. Je fais une première maille serrée au même endroit, une deuxième. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc, on fait une augmentation dans toutes les mailles de notre chaînette. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai fait une augmentation dans chacune des mailles. Et après, je suis venue donc commencer. Donc maintenant, il va falloir après crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées et venir faire 8 tours de mailles serrées. Donc juste avant, j'ai fait la première maille serrée de mon rang pour venir correctement fermer le cercle. Bien faire attention d'avoir un cercle plat et toutes les mailles au bon endroit du bon côté, comme ceci. Et avant de continuer, vu que ça m'est déjà arrivé, que j'ai dû refaire mon travail et défaire mon travail, car celui-ci, je l'avais fait beaucoup trop grand, on vient vérifier si la taille, le nombre de mailles, vous convient. Donc pour ça, on vient le placer à l'intérieur de votre cône. Et si la taille vous convient, par exemple, comme ceci, que ça vient parfaitement épouser tout autour le cône au bon emplacement, qu'il ne soit pas trop haut ni trop bas, comme ceci, ça veut dire que le nombre de mailles est parfait. Donc maintenant, je peux venir continuer
mon travail. Pas besoin de réduire le nombre de mailles en l'air ni d'en ajouter. Donc pour continuer mon travail, comme je vous ai dit, on continue à venir crocheter tout simplement toutes ces mailles ici en rond, en mailles serrées. Et on vient faire au total 8 tours de mailles serrées. Donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de crocheter mes 8 tours de mailles serrées, comme ceci. Donc voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, nous allons faire un tour de diminution, exactement le même tour que pour les augmentations. C'est-à-dire, on va venir faire que des diminutions tout le tour. Donc ici, j'enlève et je commence par faire une diminution. Donc je crochète une maille, je la termine pas, je vais dans l'autre maille, je la crochète. Et ces deux mailles, je les ferme ensemble et ça fait une diminution. Et en fait, on fait ça tout le tour. Donc là, j'ai sur les deux mailles qui suivent, donc ici et ici. Je pique dans la première, je fais un jeté, je sors, je termine pas la maille. Je pique dans la deuxième, je fais un jeté, je sors. Et là, un jeté et je ferme les deux mailles serrées ensemble, comme ceci. Et je fais des diminutions tout le tour. À chaque fois, je fais que des diminutions. Vu que le tout premier tour, on a fait que des augmentations, là, celui-là, on vient faire que des diminutions. Donc, je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc, on fait ça jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc voilà, comme ceci, donc ça nous resserre, hop, notre travail. Du coup, on voit l'anneau se former. Maintenant, on peut enlever notre anneau marqueur. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire la couture et le remplir de ouate. Donc ici, pour la couture, moi, je vais faire avec mon crochet, je vais faire des mailles en l'air. Vous pouvez très bien laisser une longueur de fil assez suffisante et venir faire la couture avec votre aiguille Allen. Ici, moi, je préfère le faire au crochet. Donc, je vais coudre à chaque fois une petite partie rembourrée de ouate, une petite partie rembourrée de ouate, et ainsi de suite. Donc, pour ça, je viens piquer dans la maille en face. Là, au début, non, pardon. Du coup, on vient piquer dans la maille suivante et en face. Donc, comme c'est le début, c'est normal de... Voilà. Donc, on tient bien ça. Je le mets bien à plat. Je viens piquer ici, pile en face, dans la maille. Normalement, on a le même nombre. Et je fais une maille coulée. Et je fais ça à chaque fois. La maille devant, la maille derrière. Une maille coulée. Et on fait ça, je continue, je tourne. Une maille devant, la maille derrière, une maille coulée. Je pique ici, je pique derrière. Et je fais la maille coulée. Donc je fais ça sur 2, 3... 4 cm en fonction de la place que j'ai. Dès que je pense que j'ai assez de couture, par exemple comme là, je tire un peu mon fil pour pas perdre la maille. Et là, je prends un petit peu de ouate et je viens l'insérer à l'intérieur dans la partie que je viens de faire là. Couture. Et bien sûr, là, je rembourre assez fort pour que le travail soit assez tendu et pour avoir un cercle assez rigide. Voilà. Et je continue. Je reprends la boucle de mon pour mon travail. Et je continue la couture. Une maille devant, une maille derrière, une maille coulée. Je pique devant, je pique derrière, une maille coulée.
je tire mon travail et je reviens remplir de watts. Donc je me sers du derrière de mon crochet pour bien venir tasser la watt à l'intérieur. Voilà, donc on voit le petit boudin se former et une jolie couture. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Arrivez de l'autre côté, finissez bien de remplir dans le petit trou avant de fermer. Et ensuite, vous faites une maille en l'air pour terminer et vous rentrez le fil qui reste avec votre aiguille Allen. Je fais ça et on se retrouve juste après. Et voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai terminé donc toute la couture, comme je vous ai montré, avec les mailles en l'air. Et une fois, j'ai pris mon aiguille Allen et j'ai rentré le fil à l'intérieur. Et donc du coup, nous avons notre cerceau. Maintenant, il va falloir réaliser toutes les tailles. Donc comme je vous ai dit, je vais vous donner toutes les tailles que j'ai utilisées, donc toutes les mailles en l'air que j'ai utilisées pour du coup mon cône. En tout, j'ai réalisé 10 cerceaux du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Pour le cerceau le plus grand, donc ici c'est le premier, il vous faut monter 50 mailles en l'air. Le deuxième, on est à 42 mailles en l'air. Le troisième, il faut 38 mailles en l'air. Le quatrième, on est à 34 mailles en l'air. Pour le cinquième, on est à 28 mailles en l'air. Le sixième, il faut 26 mailles en l'air. Le septième, on est à 22 mailles en l'air. Le huitième, 18 mailles en l'air. Le neuvième, on est à 16 mailles en l'air. Et pour le dixième, le dernier, on est à 14 mailles en l'air. Et voilà, nous avons du coup nos 10 cerceaux à faire de la couleur souhaitée, du plus grand au plus petit. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien sûr, le nombre de mailles que je viens de vous donner, c'est à prendre approximatif, car nous avons tous une façon de serrer notre fil. Donc ça se trouve, si vous serrez plus que moi, il vous faudra peut-être plus de mailles en l'air que moi. Et si vous serrez moins, vous crochetez un peu plus détendu, il vous faudra peut-être moins de mailles en l'air. Donc pour ça, je vous conseille d'en faire un premier, de voir en fonction et d'adapter votre travail en fonction de vos cotons et de vos outils et de votre façon de travailler. Donc du coup, ça sera tout pour les cerceaux. Maintenant, nous allons venir faire la petite tête qu'on viendra coudre ici sur le dernier cerceau. Une dernière chose, comme je crée le tutoriel en même temps que je vous fais la vidéo, je n'ai pas su vous dire en début de vidéo au niveau du matériel la quantité de coton. Donc je vous le dis maintenant. Alors une fois avoir crocheté tous mes cerceaux, voici les cotons qui me restent. Donc c'était des pelotes de 25 grammes car ce sont des mini pelotes. J'avais acheté deux couleurs de chaque, donc deux pelotes de chaque, deux marrons, deux beige, deux orange. Et du coup, voici ce qui me reste. J'ai utilisé une de chaque et il me reste une marron, il m'en reste presque une pelote entière. La beige, il me reste, on va dire, une demi-pelote. Et orange, une fin de pelote. Voilà, donc à peu près au niveau de l'estimation. Donc c'est normal parce que comme j'ai commencé par l'orange, vu que c'est le cercle le plus grand, j'en ai utilisé plus. Et en plus, c'est le seul où du coup, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Et les autres, il y a 3 cerceaux de chaque. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider. Si jamais ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au moins, je pourrai préciser sur mes prochaines vidéos exactement le nombre de cotons que vous avez besoin. Voilà ce qu'il m'a fallu pour les cerceaux. Maintenant, nous allons passer
à la tête, donc avec ce qui nous reste, et également j'en avais acheté d'autres. Allez, pour la tête, on commence avec notre fil marron et il y aura un changement et plusieurs changements de couleur avec le fil beige. Donc on commence avec notre premier tour. Pour ça, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire 8 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. On tire sur le fil et on vient fermer notre cercle magique. Le deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 8 mailles. Donc toujours, on pique dans la première maille de notre rang. On fait la première maille serrée et on place un anneau marqueur. Comme c'est une augmentation au même endroit, je viens faire une deuxième maille serrée. Et je répète ça tout le tour. Le troisième tour, on va venir faire 8 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Là, j'ai fait la première maille serrée du rang et je fais mon augmentation. Et je répète ça. Pour le quatrième tour, on vient faire 8 répétitions de 2 mailles serrées, une augmentation. Première maille serrée, je déplace. Deuxième maille serrée et après une augmentation. Et je répète ça. Le cinquième tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation. Là, je viens de faire la première maille serrée. 2, 3 et une augmentation. Et il faut répéter ça 8 fois au total. Ici, vous aurez dû obtenir, du coup, vous devez avoir plutôt 40 mailles. Maintenant, nous allons attaquer le sixième tour. Et ça sera pareil jusqu'au neuvième tour inclus. Il faut venir tout simplement crocheter toutes ces mailles en maille serrée sans faire d'augmentation. Donc à chaque fois, on décale notre anneau marqueur et vous crochetez une par une les mailles en maille serrée. En tout, vous devez venir faire, oups, j'ai défait trop de mailles, vous devez faire 4 tours de maille serrée. Voilà, comme ceci. Donc nous sommes arrivés au 9e tour. Maintenant, on passe au 10e tour. Pour le 10e tour, on vient faire 8 répétitions de 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète tout le tour. Pour le 11e tour, on vient faire un tour de mailles serrées. Le 12e tour, on va commencer les tours avec les changements de couleur. Donc soyez attentifs, il n'y a rien de compliqué, mais c'est un petit peu minutieux à certains endroits. Donc on commence à crocheter 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Là, je suis à 14 mailles serrées et j'ai dit qu'il fallait en faire 15. Mais du coup, pour changer de couleur, on crochette la maille, mais pas en entier, et on vient terminer la maille avec notre deuxième
couleur comme ceci. Tout en faisant suivre le fil orange et en rentrant le fil beige, on va venir crocheter avec notre fil beige ou blanc 5 mailles serrées. Et la dernière, on la ferme avec le fil orange. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4. Je tire un petit peu le fil. Et 5. Et je ferme avec mon fil orange. Comme ceci. Je tire un peu sur les fils pour les rentrer dans l'ouvrage. On met ça en plus. Avec le fil orange, on vient faire rentrer. Donc, je fais suivre le fil blanc. Donc, je viens faire 5 mailles serrées également. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la cinquième, je la ferme avec le fil beige. Comme ceci. De nouveau, avec le fil beige, on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, mais il faudrait que je la commence. Toc, toc, toc. Je la ferme avec le fil orange. Comme ceci. Et je termine à crocheter. Il doit rester, du coup, 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, 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 j'ai un petit nœud, on passe la pelote, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et bien 18 mailles serrées. Le 13e tour, donc c'est sur le même principe. On va venir faire des changements de couleurs. Je vais aller juste un peu plus vite. Donc on commence avec 14 mailles serré avec notre couleur orange. Bien sûr, la dernière maille, je l'ai fini de crocheter avec le fil beige. Ensuite, je viens faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et la 7e, on termine avec le fil orange. Je rentre un peu le fil. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, 7 mailles serrées. Avec le fil blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Et je termine à crocheter les autres mailles avec mon fil orange et vous devez en avoir 17. On passe au 14e tour. On vient crocheter 13 mailles serrées. 1, 2. La 13e, je l'ai terminée avec le fil beige. On enchaîne par 19 mailles serrées avec le fil beige. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, et je le termine avec mon fil orange comme ceci. Et je termine à crocheter les 16 mailles qui restent en mailles serrées. Le 15e tour. On vient faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Et la quatrième, on la ferme avec le fil blanc. Comme ceci. Ensuite, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation, 2 fois 7 mailles serrées, une augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je fais une augmentation. Là, j'ai fait une première fois, je le fais une autre fois, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées, et là je termine par une augmentation. La première maille serrée et la deuxième maille serrée, on fait comme ceci, et ensuite une maille serrée que je termine avec mon fil orange. Voilà. Ensuite, on vient faire 6 mailles serrées avec le fil orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. De nouveau, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et on termine bien par une augmentation. Le 16e tour, on vient faire un tour entier de mailles serrées et on fait en même temps le changement de couleur. Donc pour ça, on commence à crocheter 13 mailles serrées avec notre couleur orange. Ensuite, on enchaîne avec 19 mailles avec la couleur blanche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, je me suis trompée, il en faut 24, 19, 20, 21, 22, 23, et donc oui, c'est bien 24 du coup, et la dernière, 24 mailles avec notre couleur blanche, et je termine avec 17 mailles orange. Le 17e tour, on attaque les diminutions. Et on vient faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Et la quatrième, on la termine avec le fil blanc. Comme ceci. Ensuite, 3 mailles serrées avec le fil blanc. 1, 2, 3. Une diminution. On continue 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. On vient faire une diminution. Je répète ça une autre fois, 7 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Une diminution. 1 maille serrée en blanc que je termine avec mon fil orange. Je continue 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une diminution. 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées et je termine par une diminution, comme ceci. Le 18e tour, on continue les diminutions avec le fil orange, vous faites deux fois 4 mailles serrées simples, une diminution. La diminution, on la termine avec le fil beige. Comme ceci. Ensuite, avec le fil beige, on fait 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on termine par 3 mailles serrées, une 2 et 3 et la troisième bien sûr on change de couleur pour la terminer comme ceci. Ensuite on ne fait que une maille serrée avec le orange et une diminution comme ceci et on enchaîne deux fois 4 mailles serrées une diminution jusqu'à l'anneau marqueur. À partir de là, je suis venue placer les yeux donc comme ceci. Ce sont des yeux de taille de 6 mm.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir mettre des yeux en plastique comme ça avec la sécurité bébé. Vous pouvez venir faire tout simplement une broderie. Donc ici, je les ai placés entre le 13e et 14e tour. Pour le 19e tour, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, une diminution. Trois mailles serrées. Une, deux, trois. Une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, et la deuxième, je prends mon fil blanc. Comme ceci. Une maille serrée avec mon fil blanc. Une diminution. Ensuite, on vient faire trois fois. 3 mailles serrées, une diminution avec le fil blanc. Bien sûr, la dernière diminution, on la termine avec le fil orange. Et on continue, on vient faire 2 fois 3 mailles serrées, une diminution. Et on termine le tour avec 2 mailles serrées. Comme ceci. Le 20e tour, on continue les diminutions. On va venir faire 2 mailles serrées, une diminution sur tout le tour avec le changement de couleur. Donc je commence par faire 2 fois 2 répétitions de 2 mailles serrées, une diminution. J'ai fait la dernière diminution en terminant avec le fil blanc. Et ensuite, je viens faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. Je crois que je me suis trompée quand je viens de parler, c'est 2 mailles serrées, une diminution que l'on vient faire 3 fois avec le fil blanc. Ensuite, on vient faire 2 mailles serrées en blanc, 1, 2, et la deuxième c'est avec le fil orange. Là, on continue à faire suivre le fil blanc pour le rentrer à l'intérieur de notre ouvrage, car nous allons le terminer. Donc ensuite, je fais une diminution, c'est ça parce qu'on vient de faire, attendez, une, deux mailles serrées, une diminution. Et je continue ça jusqu'à la fin. Deux mailles serrées, une, deux, une diminution, deux mailles serrées, une, deux, et il me reste bien deux mailles pour faire la dernière diminution, comme ceci. On peut venir tirer ici sur le fil blanc pour le rentrer dans notre ouvrage. Et on peut venir le couper. Nous avons terminé avec le changement de couleur. À partir de là, on peut venir remplir de ouate. Comme ceci. Ici, on vient faire un dernier tour. Deux mailles, un dernier tour, donc le 21e. Et on vient faire tout le tour, une maille serrée, une diminution. Ici, je suis venue compléter de ouate. Et à partir de là, on va venir faire que des diminutions. Jusqu'à fermer entièrement le plus qu'on peut notre tête. Jusqu'à que nous ne voyons plus la ouate. Donc que des diminutions.
Une fois que c'est compliqué pour nous de faire des diminutions, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. On tire, on se garde une longueur de fil assez importante pour faire la couture. Et on peut venir serrer le fil, comme ceci. À partir de là, je prends mon aiguille Allen et je vais venir fermer un tout petit peu plus mon cercle ici. Comme ceci. Et maintenant, on va venir faire une couture pour ajouter le dessous ici. Donc pour ça, on va venir déplacer. Donc il faut trouver le milieu, comme ceci. Je vais déplacer mon fil sur un bord. Donc je vais plutôt le mettre comme ceci. Et le milieu, il est là. Et là, je suis au bord. Donc j'ai sorti mon fil pour pouvoir venir coudre ici. Avec l'aide des épingles, ici je suis venue tenir mon cercle au milieu, comme ceci. Et maintenant, je vais faire la couture. Donc la couture, c'est assez délicat à vous montrer à chaque fois, mais je vais faire pour le mieux. Donc en fait, je vais venir piquer, je vais la faire au bord ici, dans le rang, entre maille et maille. Et je pique dans le rang en face, entre maille et maille, comme ceci. Et je vais venir faire tout le tour, une fois dans la tête, une fois dans le cerceau. On n'hésite pas à serrer entre chaque maille ou chaque deux mailles pour que la couture tienne bien. Donc voilà, je fais ça petit à petit tout autour. Je ne sais pas si vous voyez assez bien la couture. Je sais qu'on me demande à chaque fois dans la plupart de mes vidéos de montrer la couture. Et la plupart de mes vidéos, je ne montrais pas la couture car je trouve ça assez délicat pour la montrer et l'expliquer. Mais comme on me le demande, eh ben je fais un effort, j'essaye de vous montrer et vous l'expliquer. Donc j'espère que vous comprenez la façon dont je procède pour la couture. Excusez-moi. Et après, je sais qu'il existe plusieurs façons de coudre. Je ne sais pas si je fais la meilleure, mais en tout cas, c'est celle que j'aime bien faire. Voilà. Donc je fais ceci donc tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le tour de ma couture. Donc à la fin, je viens toujours faire un petit nœud. Donc je prends un morceau de maille. Je viens faire un nœud comme ceci que je serre. Je pique à l'intérieur de l'ouvrage. Je viens faire ressortir le fil un peu plus loin. En général, j'aime mieux le faire une, deux, voire trois fois ou carrément, mais comme je viens de faire là, je vais venir faire carrément tout le tour. Et une fois que je fais tout le tour, et bien là, je vais couper à ras de la tête. Comme ceci. Donc ici, on a terminé la couture. Il manque à lui faire tout le reste à ce pauvre petit renard. Le nez, les oreilles. Et après, vous pouvez également vérifier que ça vient bien s'emboîter au-dessus, comme ceci. Donc là, je suis couchée, donc je ne peux pas bien vous montrer. Mais c'est parfaitement au-dessus. Voilà. Maintenant, nous allons venir réaliser les petites oreilles. Donc ici, j'ai fait la première et nous allons faire la deuxième ensemble. Vous allez voir, c'est très facile, un petit peu délicat car c'est une toute
petite pièce. Il y aura un peu des fils de partout au début, mais si vous prenez votre temps et que vous êtes un petit peu minutieux ou minutieuse, ça ira très bien. Prenez votre temps, je vais aller doucement pour les oreilles. Donc on commence toujours pareil avec un cercle magique. Et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc là, j'ai pris mon coton marron. Jusqu'à là, rien de compliqué. On tire notre fil, on ferme le cercle magique et on a réalisé le premier tour. Pour le deuxième tour, donc ici, je ne vais pas mettre mon anneau marqueur. Je vous le dire à chaque fois, car il va me gêner. De toute façon, je vais vous dire toutes les mailles, une par une, ce qu'on va faire. Et je le fais en même temps avec vous. Donc ici, on vient faire le deuxième tour. Le deuxième tour, c'est deux répétitions de une augmentation, deux mailles serrées. Donc je commence à faire une augmentation. Comme ceci. Deux mailles serrées. Une. Deux. De nouveau. Une augmentation. Et deux mailles serrées. Ici, nous venons de terminer le tour. Je viens tirer sur le fil derrière et le couper pour éviter qu'il me gêne par la suite. Le troisième tour, c'est facile. On vient faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là, comme vous ne voyez pas le nombre de rangs, c'est facile, on vient crocheter 8 mailles serrées simples. Ça fera un tour entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la huitième, je vais la faire, mais la terminer avec mon fil orange, car attention, on commence le changement de couleur. Et donc, je fais une petite boucle pour terminer la maille. Et ici, c'est mon changement de couleur avec le début du rang. Donc ici, je réduis un peu le fil. Et je vais venir le crocheter en même temps que mon ouvrage pour le rentrer à l'intérieur. Et je vais faire pareil avec le fil marron pour pouvoir qu'il se rentre à l'intérieur et le couper par la suite. Donc pour le quatrième tour, on vient faire une maille serrée. Comme ceci, je tire un peu les fils. Une augmentation. Et une maille serrée que je termine pas car je vais venir intégrer la couleur beige. Comme ceci. Et je viens faire juste une maille avec le fil beige mais que je termine avec le fil orange. Voilà, donc je tire un peu sur tous les fils pour les rentrer correctement. Comme ceci. Et avec le fil orange, je viens faire. Donc là, je sépare le fil blanc que je ne rentre pas. Je le mets de l'autre côté. Les beiges de ce côté. Et je continue à rentrer mon petit fil orange et mon fil marron. Donc on vient faire une maille serrée. Une augmentation deux mailles serrées une et deux. À partir de là, on a terminé le tour, donc je tire sur les petits fils un tout petit peu pour les rentrer à l'intérieur et on va pouvoir venir couper le petit fil orange et le fil marron. Voilà.
Ça nous gênera en moins. Je récupère la maille et on va pouvoir attaquer le cinquième tour. Alors, le cinquième tour, on vient faire une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée que l'on termine avec le fil blanc. Comme ceci. Trois mailles serrées. Une. Je fais suivre mon fil orange. Deux. Et la troisième, on la termine avec le fil orange. On ne fait pas suivre le fil blanc. On le laisse sur le côté. Et avec le fil orange, on vient faire une maille serrée. Une augmentation. Deux mailles serrées. On a terminé le tour. Là, je fais juste une petite pause car j'ai mal coupé mon fil ici. Donc, je vais venir les recouper. Voilà, je vais détendre. Et là, c'est beaucoup mieux. Le sixième tour, on vient faire deux mailles serrées. Une, deux. Une augmentation. Et une maille serrée que l'on termine avec le fil blanc. Comme ceci. Ici, avec le fil blanc, on vient faire une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, une, et la deuxième, on la termine avec le fil orange. Comme ceci, et le fil orange, on vient faire une augmentation, deux mailles serrées, une, deux, une augmentation. Comme ceci, et là, on a terminé le tour. On continue avec trois mailles serrées, une, deux, une augmentation, une maille serrée et qu'on termine avec notre fil blanc. On enchaîne avec 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième, on la termine avec le fil orange. Et 6. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Comme ceci. Ici, je vais pouvoir couper le fil que je suis venue rentrer au fur et à mesure des tours. Et on vient faire un dernier tour en changement de couleur. Et on commence avec 6 mailles serrées orange. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la sixième avec le fil blanc. 6 mailles avec le fil blanc. 1, 2, 3,
4. 5. Et 6. Et la sixième, on la termine avec le fil orange. Et là, on vient plaquer le fil blanc pour le rentrer à l'intérieur, car c'est notre dernier tour. Et on vient terminer avec 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je tire un peu sur le fil pour le rentrer. Ici, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Vous tirez, vous gardez assez de fil orange pour la couture. On serre bien et on peut venir couper notre fil blanc. Comme ceci, on vient mettre en forme en détendant correctement notre oreille et nous l'avons terminé. Donc j'espère que les explications ont été assez compréhensives pour les oreilles. Et bien sûr, ben, faut faire la deuxième, la même. Je vous laisse remonter la vidéo. Sinon, vous avez en barre d'infos les chapitres. Vous n'avez qu'à cliquer sur oreille et vous reviendrez au début de l'explication de l'oreille. Maintenant, on continue avec le petit museau ou le nez. Et on commence avec notre fil blanc. Et nous venons faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1. On tire sur le fil pour fermer notre cercle magique, comme ceci. Le deuxième tour, on va venir faire 3 répétitions de 1 maille serrée. Une augmentation. Donc je viens faire la première, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation. Ici, le tour est terminé. Alors comme je fais à chaque fois, je tire bien sur le petit fil ici pour fermer le museau correctement et je viens le couper. Le troisième tour, on attaque le changement de couleur et on vient faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Une première maille et dans le même endroit je fais une deuxième maille pour faire l'augmentation et je termine cette augmentation avec mon petit fil orange comme ceci. Je viens faire 2 mailles serrées, 1, 2 et la deuxième, je le fais, hop, attendez, je démêle mes fils. Je la termine avec le fil blanc. Je mets ça de côté. Ensuite, je viens faire avec le fil blanc une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. On a terminé le troisième tour. On vient faire le quatrième. Donc je continue avec 2 mailles serrées, 1 augmentation et l'augmentation, je la termine avec le fil orange. Comme ceci, je viens faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées et la
dernière, je la termine avec le fil blanc. Je tire un peu sur les fils. Je viens faire une augmentation. Et je termine par 4 mailles serrées et je rentre tous les fils à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Je viens tirer un peu sur les fils pour les rentrer correctement à l'intérieur. Et je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde du fil pour la couture. Et je coupe tous les fils qui dépassent. Voilà, comme ceci. À partir de là, on va venir faire une petite couture. Donc avec ça, je vous laisse prendre un peu de fil marron. Et ce n'est pas une couture qu'on va faire, excuse-moi, je me trompe de mot. C'est une broderie pour venir former le petit museau. Donc on va venir coudre un petit triangle, tout simplement, donc juste devant, ici, non je vais le faire ici, comme ça et comme ça, un petit triangle de museau devant, on va remonter ici, alors là je le fais un peu au pif. Ah, voilà, comme ça, on va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, pour faire un petit museau. Et je vais passer plusieurs fois le fil pour pouvoir lui faire le petit museau, le petit nez en marron. Et voilà, comme ceci. Maintenant, il ne restera plus qu'à prendre le museau, les oreilles et notre tête et à venir coudre tout ça ici. Donc exactement de la même façon de la couture que nous avons fait ici. Vous pouvez également revenir sur le mode couture en bas au niveau des chapitres pour voir comment nous avons fait pour coudre la tête avec le cercle car c'est le même principe. Je vous laisse faire la couture et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé la couture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également en broderie les sourcils et je lui ai fait un petit sourire au niveau du nez. Il aurait fallu le faire avant la couture mais j'y ai pensé après. Donc je me suis débrouillée et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, ici la tête est désormais terminée. Il ne restera plus qu'à venir, donc là ça va être en mode couché, mais à venir le poser dessus. Et vous aurez terminé l'ensemble du jeu, donc avec les cerceaux. Pour la queue, nous venons faire un cercle magique et dans le cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Ici, c'était le premier tour. On enchaîne avec le deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va tout simplement crocheter ces 6 mailles en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc ici, on vient de faire le troisième tour. Le quatrième et le cinquième, soit deux tours, on vient les crocheter tout simplement en mailles serrées. Le sixième tour, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation que l'on répète tout le tour. Ensuite, le septième et le huitième, soit deux tours de mailles serrées. Le neuvième tour, on vient faire deux mailles serrées simples, une augmentation que vous répétez tout le tour. Ensuite, on vient faire le dixième, le onzième,
le 12e et le 13e tour, soit 4 tours de mailles serrées. Alors ensuite, le 14e tour, on va faire un dernier tour d'augmentation avec des changements de couleur. Donc on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation, et l'on répétera ça tout le tour. Mais l'augmentation, on va la faire avec notre couleur orange. Donc là, je viens faire 1, 2 et 3 mailles serrées, mais je termine la troisième maille avec mon fil orange, comme ceci. Et la maille à côté, je viens faire une augmentation. Et la deuxième maille serrée de notre augmentation, on rechange de couleur. On fait avec le fil blanc. Comme ceci. Et je continue. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Oups, et là j'allais me tromper. Et la troisième maille. Je la fais finie avec le fil orange pour faire mon augmentation avec le fil orange et terminer la deuxième maille serrée de l'augmentation avec le fil blanc. Je vous laisse répéter ça tout le tour. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai fait tout le tour. On attaque le 15e tour. Le 15e tour, on vient le crocheter simplement en maille serrée. Alors là, je défais ma dernière augmentation parce que j'ai oublié de la fermer avec le fil blanc. Donc je disais que ce tour là on va le crocheter en maille serrée, mais en faisant le changement de couleur. Donc ici on crochète les 3 premières mailles en blanc, 1, 2, 3, et la troisième, bien sûr, on change de couleur. Et on crochète notre augmentation, soit les 2 mailles. Alors, je profite pour cacher le fil en même temps. Les 2 mailles qu'on a fait en orange. 1 et 2. Et bien sûr, celle-là, je la termine avec mon fil blanc. Je vais venir couper celui-ci. Et je continue ça tout le tour. 3 mailles en blanc. 1, 2, 3. Et la troisième avec le fil orange. 2 mailles en orange. 1, 2. Et la deuxième, on la termine avec le fil blanc. Comme ceci. Pour le 16e tour. Là, j'ai pas changé de fil, donc j'ai fermé la maille avec mon fil orange parce que la première maille du tour d'après, on vient la faire en orange et on change de couleur. Là, on le met en blanc. Comme ceci, on vient faire une maille serrée en blanc. On doit terminer, je me suis trompée. Donc, on fait tac, 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 tac. Une maille serrée en blanc et on termine la maille avec le fil orange. Ensuite, on vient crocheter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Soit une maille avant et une maille après le changement de couleur. Je change de fil, je termine avec le fil blanc. Je viens faire une maille serrée avec mon fil blanc. Je me trompe à chaque fois. Et on termine toujours 7 mailles avec le fil orange. Et de nouveau, 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et la quatrième, je la ferme avec le fil blanc. Une maille avec mon fil blanc. Que je ferme avec le fil orange.
Et je vous laisse répéter ça. Ensuite, pour le tour 16, on fait exactement la même chose que là. Donc, avec les couleurs au bon endroit. C'est-à-dire 4 mailles en orange et une en blanc. Exactement le même tour que vous venez de faire. Voilà, comme ceci. Ensuite, le 18e tour. Donc, tout simplement, là, on vient faire un tour entier de mailles serrées avec notre fil orange. On ne change plus de couleur. Donc, j'en profite pour cacher à l'intérieur le fil beige avant de le couper. Donc, je vais faire tout le tour avec lui. Ensuite, le tour 19. Ouf. On vient faire, je sais plus si, non, si, pardon, excusez-moi, 4 mailles serrées, une augmentation, donc 1, 2, 3, et 4 mailles serrées, puis une augmentation, donc comme ceci. Vous répétez ça tout le tour. Puis vous enchaînez le 20e et 21e, soit 2 tours de mailles serrées. Le tour 22. On vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Puis une augmentation que vous répétez tout le tour. Et ensuite vous enchaînez le 23 et le 24, soit 2 tours de mailles serrées. Ensuite, on continue le tour 25. On vient faire 6 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Et ensuite, vous enchaînez le 26 et le 27, soit 2 tours de mailles serrées. Ensuite, pour le 28e tour, on attaque le tour des diminutions et on vient faire 6 mailles serrées, une diminution que vous répétez tout le tour. Ensuite, vous enchaînez 2 tours. 2 mailles serrées, soit le 29 et le 30e. On continue, on passe au 31e tour. Et donc on fait un tour de diminution avec 5 mailles serrées. Une diminution que vous répétez tout le tour. Et ensuite vous enchaînez le 32 et le 33, soit 2 tours de mailles serrées. Ensuite, on continue, on passe au tour 34 et on enchaîne 4 mailles serrées, une diminution que vous faites tout le tour. Et bien sûr, on continue avec 2 tours de mailles serrées par la suite, soit le 35 et le 36. On continue les diminutions, donc on passe au 37e tour. On vient faire 3 mailles serrées, une diminution que l'on répète tout le tour. Et on enchaîne le 38 et le 39, soit 2 tours de mailles serrées. A partir de là, je suis venue remplir 2 watts, comme ceci. Et maintenant, on va crocheter en aller-retour. Donc, on va venir plier notre travail en deux. Et on va venir faire du coup, hop, voilà. On va venir piquer dans une maille devant et dans la maille derrière. Comme ceci, on va faire une diminution, donc on va piquer de nouveau dans une maille devant, une maille derrière, un jeté, et on ressort, et on ferme. Ensuite, je pique dans la maille devant, la maille derrière, je fais une maille serrée. Une maille devant, une maille derrière, une maille serrée. Comme ceci, donc tout le tour. En fait, je fais une fermeture comme ceci. Donc jusqu'à arriver au bout où il restera plus que 2 mailles et je vais refaire une diminution. Comme ceci, une maille en l'air, je tourne mon travail. De nouveau, je viens faire une diminution en début de rang ici. Je crochète les mailles jusqu'à arriver aux deux dernières. Arrivé aux deux dernières, je viens faire une diminution. Comme ceci.
une maille en l'air, je tourne. Je vais le faire encore une troisième fois, donc une diminution. Je crochète en maille serrée. Et les deux dernières mailles, une diminution, comme ceci. Une maille en l'air, je tourne le travail. Là, je viens crocheter juste toutes les mailles simplement en maille serrée. Comme ceci, je viens faire une maille en l'air, je tire et on se garde un peu de fil pour la couture. Voilà, comme ceci. Donc la queue est désormais terminée, il ne restera plus qu'à venir la coudre. Donc pour la couture, tout simplement, on vient la passer, la placer là où vous souhaitez la coudre, donc en bas, ici. Et on va venir faire une petite couture ici le long au niveau de notre rebord noir. Donc au moins comme ça quand on mettra le cerceau, vous voyez, il y a le rebord. Ceci c'est pour laisser passer le grand cerceau au niveau de la queue du renard. Voilà. Et voilà, comme ceci. Donc elle est accrochée ici et quand les cerceaux viennent se poser, ben voilà, elle reste bien comme il faut, elle ne gêne pas à la pose du premier cerceau. Voilà, donc bien sûr, comme j'ai dit, cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser les cerceaux simplement et pas faire. Mais moi, je trouve que pour le petit renard, ça agrémente un peu plus le jeu du bébé. Voilà. Et voilà, la vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu et que ce jeu vous allez le réaliser chez vous pour vos enfants ou pour faire un cadeau. C'est un jeu très facile à réaliser, un peu long, je vous l'accorde, le temps de faire tous les cerceaux un par un, mais vraiment très facile. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et également sur mon compte Instagram. Vous avez toutes les photos et vidéos que j'ai pu réaliser à ce sujet-là et également d'autres photos et vidéos qui pourront peut-être vous intéresser. Laissez-moi également des commentaires et surtout des photos et vidéos de ce que vous avez réalisé grâce à mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir à chaque fois que je vois vos réalisations grâce à mes vidéos tutos. Sur ce, je vous laisse regarder la fin de la vidéo où mon fils découvre en même temps que vous le jeu que je lui ai confectionné. Et vous allez voir, il est très doué, il y arrive même du premier coup. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye! Non, pas celui-là. Non plus, pas celui-là. Non. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui, c'est celui-là. Très bien, on appuie. Ben non, mais pas de suite la tête. Il en manque là. Il en manque encore. Qu'est-ce qui manque? Il faut mettre les autres. Oui, c'est de là, mais c'est pas celui-là. Non, trop petit encore. Ça, c'est à la fin. À la fin, encore, regarde, il y en a deux. Ah. Oh, bah oui. Ah. Ouais, c'est celui-là. Et voilà. On appuie un peu. Et après, il manque un. Ouais. Vas-y. Très bien. Après. Non, pas la tête tout de suite. Il manque, il en manque. Et oui. Vas-y. Très bien. On appuie. On a pris et après il manque. Bah, pas comme ça. Mais si, c'est comme ça. Regarde, là, là il y a un trou. Faut mettre comment? Vas-y. Faut mettre comme ça. Mais non, 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 comme ça. T'as pas mis la tête? Où tu pars? Mais. La tête, la tête.